des déclarations qui font scandale dans le monde entier. Roger Allam, cofondateur du mouvement Extinction Rebellion, dans une interview à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, minimise l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été exterminés. En fait, on pourrait dire que c'est comme un événement régulier. Le fait est que des millions de gens ont régulièrement été tués dans des circonstances cruelles au cours de l'histoire. Puis il ajoute : l'Holocauste n'est qu'une simple connerie de plus dans l'histoire humaine. Il assure également que la culture de la repentance paralyse les Allemands. Un traumatisme poussé à l'extrême peut créer une paralysie qui empêche d'en tirer les leçons. L'antenne allemande d'Extinction Rebellion a aussitôt dénoncé ces propos et déclare Roger Allam persona non grata en Allemagne. Et l'homme n'en est pas à son coup d'essai. Dans une précédente interview à l'hebdomadaire allemand, il disait n'exclure personne et avait notamment invité les sexistes et racistes à intégrer son organisation. Un mouvement, né au Royaume-Uni fin 2018, qui prône la désobéissance civile pour contraindre les gouvernements à agir face à la crise climatique, notamment avec des actions coup de poing.